Salut à tous et bienvenue une fois de plus sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui nous allons voir ensemble comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir créer ou générer rapidement et très efficacement des cartes de visite à partir de son téléphone. Donc comment le faire rapidement sur son téléphone et de façon très professionnelle. Donc de façon très professionnelle. Alors les amis, c'est ce que nous allons voir rapidement dans cette vidéo. Avant, j'aimerais inviter ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Qu'est-ce que vous attendez, les amis? Abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour recevoir en temps et en heure les prochaines vidéos qui seront faites sur la chaîne de façon quotidienne. Donc, n'hésitez pas à abonner-vous, les amis. Abonnez-vous, c'est très important. Ça encourage la chaîne, ça grandit la communauté. Donc, les amis, voici mon téléphone. Donc, pour ceux qui sont intéressés par mon fond d'écran, parce que je vois bien beaucoup de personnes en train de regarder mon fond d'écran là. Je vois depuis quelques temps vous regardez mon fond d'écran. Donc, pour ceux qui sont intéressés par mon fond d'écran, j'ai fait une vidéo pour vous montrer comment télécharger, comment configurer en fait des vidéos TikTok comme fond d'écran, parce que ça, c'est une vidéo TikTok. Donc, je vais laisser le lien va apparaître là à gauche ou à droite pour que vous puissiez aller voir comment vous également pouvez configurer une vidéo TikTok comme fond d'écran. Donc, les amis, après cette parenthèse, on va rapidement se rendre sur une application que j'ai téléchargée qui me permet de pouvoir créer ou générer des cartes de visite très professionnelles. Donc, voici l'application. Je vais laisser le lien en description pour que vous puissiez télécharger l'application. Donc, l'application est vraiment intéressante. Ce qui m'a plu, c'est que l'application vous permet, vous, en fait, vous soutient, quoi. Vous aide dans la phase de conception de votre première carte. Donc, ça va, vous allez entendre une voix qui va vous dire comment ça fonctionne, comment on fait. Maintenant, je vais supposer qu'on veut faire une carte de visite, disons, business. Donc, business, parce que, ouais, un peu, on met l'argent devant. Donc, là, ça va charger, en fait, les templates. Ce qu'on peut faire, c'est quoi? Ce qu'on peut faire, c'est, par exemple, prendre quelle carte? Celle-ci. Donc, on va par exemple prendre la carte ici pour, je sais pas, vendre notre business et tout. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est qu'on va simplement remplir les informations que vous voyez ici. Et maintenant, si on vient ici à ce niveau, au niveau de ce petit point ici, donc là, on va voir les différentes informations. On peut par exemple cliquer pour faire monter ou pour déclasser par exemple une information et tout. Donc, si je viens par exemple ici, je pars ici, je double-clique sur l'image, je double-clique sur le texte, pardon. Okay, là, on double-clique sur le texte. On peut par exemple agrandir. On peut éditer le texte qui est à l'intérieur. Donc, je peux venir là. Je mets par exemple, au lieu de mettre New, je mets, je sais pas, Tech. Donc, je mets Tech comme majuscule. Donc, je mets par exemple Tech et je valide. Donc, là, vous allez voir, ça va changer. Donc, là, ça a changé Tech. Je peux par exemple venir ici. Je mets peut-être Wanda. Je modifie. Donc, là, j'ai cliqué sur quoi? Je modifie ici. Ok. Ok, ça a enregistré. Ok. Letter, j'ai pas encore fini, s'il vous plaît. Ok, là, j'ai sûrement appuyé sur Save. Donc là, je viens ici. Je vais double-cliquer au niveau de Template ici. Je passe sur Éditer. Je peux modifier Template. Je mets par exemple, je sais pas, Wanda. Je mets par exemple Wanda. Je viens ici dans bannière, je modifie business, je modifie, vous venez ici là, vous modifiez, vous éditez par exemple, vous mettez une profession, donc ça dépend de vous quoi, vous modifiez comme bon vous semble. C'est un peu, c'est pas limité en fait, c'est pas limité, c'est très flexible. Maintenant, je viens ici, je peux mettre le site de la compagnie, je mets l'adresse mail de la compagnie un peu plus en bas, et c'est donc quoi. Et je pense c'est tout quoi. Donc vous pouvez modifier comme ceci. Si vous voulez ici, vous pouvez venir et mettre votre image en venant simplement ici, ajouter une image, passer dans galerie, vous choisissez une image et vous ajoutez à l'écran. Donc moi je vais pas ajouter l'image pour l'instant. Donc c'est vraiment très facile comme manipulation à manipuler, pardon. Donc si vous manipulez, si vous avez l'habitude de manipuler des images, de traiter des images pour envoyer sur Facebook ou bien Instagram, je pense que vous n'aurez pas de difficulté avec cette application. Donc les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous parce que je sais comment c'est, combien c'est important d'avoir des cadres professionnels, quoi, d'avoir des petits coupons là qui vous présentent un peu, qui vous vantent un peu, qui vendent un peu votre, disons, vos compétences, quoi. Donc là, avec l'application, si vous avez la possibilité d'avoir une carte de visite digitale que vous pouvez facilement partager sur WhatsApp, partager sur LinkedIn et tout.
Donc les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous dans cette vidéo. Allez-y, créez vos cartes de visite, c'est très intéressant. Je vais laisser le lien de l'application en description pour ceux qui veulent. Il y a également plein d'applications que vous pouvez trouver sur Play Store. Donc j'ai pas, c'est pas une vidéo sponsorisée, loin de là. Donc vous pouvez choisir soit l'application si je vais laisser le lien, ou bien vous pouvez prendre une autre application si cela vous intéresse. Donc les amis, vous êtes libre de choisir l'application que vous voulez. L'essentiel, c'est que ça fasse l'affaire. Donc, si vous avez aimé la vidéo, lâchez-moi un bon pouce bleu ou mettez en commentaire si vous avez des préoccupations par rapport à cette vidéo ou une autre vidéo que j'ai faite sur la chaîne. Et je suis sûr qu'on se revoit demain pour une nouvelle astuce WannaTech. Portez-vous bien.